Monsieur Dame Tangle Cookie. Oh, DJ Stéphane. Oh, Balamwangi. Congo ya Lumumba, Congo. La Fati Beton. Et Sengelito Landa Kango. Gims Lokum, chaîne officielle, le grand réalisateur, Madame TV officiel, Yeye Libiso Makambu Ebele, Masolo Yamboka Congo, politique sociale, Yamboka, et Sengelito Landa Kango, Kango Yobe. Voilà, le thème civil officiel, le chef compatriote, c'est comme on avait dit. Nous venons d'atterrir, bien sûr, à Kisangani, avec le ministre Patrice Emery Lumumba. On l'a toujours dit, Congo Airways, et Kotika n'a jamais recoupé. Congo Airways, vite, Congo Airways. Et qu'il y en a qui se soient, Lumumba la Belgique, Congo Airways. Et Kisangani, impression pour moi, ouais. Je suis très heureux d'être ici à Kisangani avec la compagnie nationale pour Airways. Ouais, ouais. Donc nous sommes très heureux et d'ailleurs nous vous affirmons que pour Airways est allé et Sarawana, Baïbalisé, tout ça, et Congo Airways est occupé, il y a pas la Mboka. Nous sommes là. Politique et sociale, Yamboka. Monsieur, dame, bonjour, bienvenue. Vous êtes précisément dans la ville de Kisangani, précisément dans la Tchopo. Tchopo, ici, c'est la place, bien sûr, du canon. On appelle force publique 1885-1960. Alors, place Epaiwapi, Uganda et Rwanda, Babunda, Awa, na Kisangani. La guerre des six jours, mythe. Ndekoya LMT, bienvenue, merci beaucoup. Tout ça dit à la Congo, dans le nord-est, la République démocratique du Congo, chef du Nango Kisangani, Kisangani Kouboué Bakal, mais quand même qu'ils ont composé dans 6 communes. Alors en place, nous allons Awa, l'histoire retiendra de la guerre des 6 jours. Guerre des 6 jours, armée rwandaise, ougandaise, Baya Bakal, Nata Awa, pour la publier, la richesse de mission, non seulement pour publier, mais aussi pour Mamba Congolaise, Naba Congolais. L'histoire continue, vous voyez que donc l'histoire se répète, nous avons la guerre dans l'Ouganda, dans la partie est, parce qu'on continue toujours pour déranger Bissot. On doit préciser encore que cette province Yachopo est Kangamina, Ouganda. Donc c'est facile au Ougandais, baya la province Yachopo et ban Yachopo balungo awa bakende na Ouganda. La plupart y a commerce awa d'ailleurs. Et c'est que ban ya awa ya Kisangani bakenda kamingi na Ouganda pour somba. Et surtout ce que nous avons constaté ici à Kisangani, mituka ezali moins cher. Mituka zali moins cher et ils partent en Ouganda. Avantage bazomona kuna eza que douane eza cher, eza moins cher, ba taxe eza moins cher et bazalaka non tracassé de ce côté-là. Donc une très bonne chose. Et une autre chose, la ville ici à Kisangani, la ville courant est allée plus kaka na centre. La périphérie, courant, ils allaient mon boulot. Alors, ici à Kisangani, la vie est moins chère. Mais bon, ils allaient passer pour me garolier, tata. Et surtout que, il faut évaluer, pas n'est qu'on a vu, il a martyr en raison, il y a cette chose. Mais le logo est, il s'est pas prendre aussi, on met en vue l'espoir. Et, il va bien en gros, Boyoma, Kisangani, Boyoma, Singamwambe. Singamwambe, il dit juste que le baraké, pour n'avoir comment dans la ville, il y a Kisangani, il faut jeter le masque 8 fois. Donc, en référence, il y a Stanley Falls, c'est-à-dire qu'il est composé, comme on a 8 cascades. Très bien. Dans le pays, awa infrastructure routière, awa isalité. C'est là isalité, vie est très moins cher,
mais l'argent ne suffit pas. Voilà. Donc, mais ça là, exacté. D'après témoignage, c'est une abandonnée. Ouais. Abandonnée parce que vraiment, développement à avoir, vous pouvez même être solo dans votre pays, une école. Ce n'est pas dans le but que vous rentrez dans le centre-ville et dans la campagne. Mais un niveau, il y a après, ça va être courant le week-end. Ouais. Après, c'est samedi dimanche. Vous allez aller sur samedi dimanche prochain. Donc, c'est très, très difficile. Alors, on va préférer que tout ça, dans le cadre, il y a déplacement, il y a relique, il y a le tout premier ministre. C'est le deuxième endroit voilà. Pour Zokende, pour Tola Kisabine. Alors, on y va. IW Le Bonheur. TV officiel. Pasteur Guili. Papa Stéphane. Balamwange. Oh yeah yeah. Politique et sociale. Yamboka. Économie Yamboka. Nabiso. La vérité Yamboka. Nabiso. Merci Nabil Omar Sobozola Nabiso de partout. Je vous ai dit, après la place du canon, nous sommes maintenant Bissika va exposer l'île Torelli qui a premier ministre en République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Pourquoi ici à Kisangani, Lumumba a été bien sûr arrêté ici aussi. Il a fait pour la première fois la prison. C'est le 1er novembre 1959 ici. Là, sa cellule était juste à côté. Na cellule, il y a Mwanamboka Haute Bengi, Moussa Nzambe, Kimangu. Alors, Lumumba a travaillé également ici à Kisangani, na poste. Na poste, Bipay Wapi, Azala Kiwana, chargé à dossier consort. Même l'un de ses compatriotes, l'un de ses collègues, Azala Bomo Itilelo, Lengeboali Komuna Yewana, Bomonina Mesanaye, Bisika Abanaki Ko travaillé, Nakiti Naye, et même la prison, Bisika Bakangaye. Bon, mon image, c'est une façon pour nous de vous montrer. Alors, le gens, d'autres qui sont en train de se faire, Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba, Azali Moko Yabatu Oyo, témoignage na Isaac Malam, quelqu'un qui s'est donné beaucoup plus au travail. Alors, quelqu'un qui a fait mieux pour son pays, jusqu'à un sacrifice suprême pour Nambo Kanabiso. Donc, nous disons merci, bravo l'artiste. Vous n'êtes pas parti, votre lutte ne sera jamais oubliée. Nous sommes là pour le changement Mitteranaya. Très bien, donc c'est le retour 61 après. Oui. Sur la terre de ses aïeux, donc c'est très important. Oui. Aujourd'hui, donc, dans la dépouille, va faire des déplacements dans quelques provinces. Ils ont choisi symboliquement les côtés. Bien sûr. Donc, Patrice Emery Lumumba et la ville de Kisangani, ils ont dit beaucoup histoire et à lutte politique. Et c'est très important. Parce que à l'équipe de Awa, une partie de son histoire, c'était écrit ici et c'était important. Et je rappelle qu'après ici, donc, c'est moi Lubumbashi. Très bien. Pour arriver à Lubumbashi. On doit préciser encore. Très bien. On précise encore que Lumumba était au niveau il y a Belgique. Nous nous appelons, on ne parle même pas de Latan. On parle de Lumumba. Cette fois-ci, Lumumba sera honoré puisqu'il sera enterré, bien sûr, dignement. On voit ses compatriotes en train de rendre les derniers. Un hommage bien sûr à ce premier ministre de la République démocratique du Congo, cher compatriote Lumumba en Belgique, à Vandaki, l'homme qui a mémoire, il y a éléphant. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a Zouaki Lumumba, a Zongissié na Congo. Mais je dois préciser, c'est Congo Airways qui est allé prendre Lumumba na Belgique. Aïe naïe petit awa na Kisangani, Congo Airways n'est pas en faillite. Congo Airways, c'est la compagnie nationale. Congo Airways fait un grand travail et tout ça sous bien sûr le leadership. Il y a ministre d'État en charge de portefeuille, princesse Adèle Kaïnda Maïnan, qui fait un grand travail, qui ne veut pas qu'on parle de Congo Airways en faillite ni en disparition. Alors, madame princesse Adèle Kaïnda Maïnan, fait un grand travail pour que cette entreprise publique Emata et Kendeliboso Congo Airways continue à prouver ses prouesses. Congo Airways est-il, Congo Airways doit toujours demeurer Mitterrand. Très bien. Congo Airways, c'est la compagnie nationale et tout ce qu'on peut demander, c'est déjà dit au Stéphane que l'on voit. IW Le Bonheur. Comme Awa, donc on a fait plus de 2 heures. Bien sûr. Nous avons encore besoin des flottes pour la société. Donc c'est juste. Va couvrir l'ensemble du territoire national. Il faut que le gouvernement ait été amoureux au lieu que certains ministres
baluka ko enfoncer baluka ko empêcher ba mener comme Airways na faillite. Je parle à la ministère du transport parce que les affaires professionnelles qui cherchent par tous les moyens à empêcher comme Airways d'émerger. Moi je le dis parce que j'ai une certaine information. On a créé une autre compagnie aérienne investissant dans le Congo Airways, cherchant des moyens pour doter encore cette société des flottes pour permettre de découvrir bon, les 26 provinces parce que le secteur des transports est un secteur bon convoité par les voisins. Tout le monde est du Rwanda Raye, Kenya Airways Baye, tout ça. Ça prouve que si on met à ce moyen dans cette compagnie nationale, je pense que ça va faire l'affaire parce que les Congolaises et les Congolais, bah, ils ont besoin de circuler librement et à moindre coût dans le Kanabango. Si tu peux si moyen à Congo Airways, je pense que ça va faire l'affaire et non chercher des bouts d'émissaires pour n'avoir proclamé à l'avance soyez la sécurité qui fait la fierté à la République démocratique du Congo. Et je suis très fier, il y a posé à la Bongo, il y a vous voyagez pour la Congo Airways et c'est les DG en personne qui nous a. Qui est lui-même le commandant de bord. Voilà, d'accord, c'est vraiment formidable. Formidable, et on doit donner encore un autre détail, c'est que Lumumba qui travaillait dans la poste c'est au niveau, il y a ministère, il y a portefeuille, chapeauté bien sûr par princesse Adèle Kayinda Mayina. Princesse Adèle Kayinda Mayina, donc, il y a beaucoup d'agents et d'entreprises qui sont dans la carte du secteur. Bravo, Excellence Princesse Adèle Kayinda Mayina, une femme brave qui travaille. Là, nous sommes à 5h11. Donc, nous sommes venus avec la culture de la Maison Verte. Super. Merci, nous continuons notre périple bien sûr dans la Tchopo et c'est parti. Voilà, merci, nous continuons notre périple et la Bisso toujours dans Kisangani. Regardez très bien, province de la Tchopo, Kisangani, ville hospitalière et berceau du nationalisme congolais. Ah, Wazali Bisika, Babenyango, la place de martyrs. Place de martyrs, vous voyez très bien que Bisika, Baboma, Baboma, Bato, Pemingi, Awa. C'est-à-dire quoi? À rebelle, on attend on a bango on a corrigé, bah il va kangi batou, bah quoi il va vomir batou. Ah ouais, batou bango va on a corrigé, ben filtré tout batou va on a quoi pour bah bon dis ça bango on décomite. Voilà, nous continuons bongo à la découverte. Hein, il y a Kisangani. Moi je suis quand même dans les matins, je vois bongo de jeunes. Oui. Ça donne la bâtisse. C'est pour nous qui encore faire mieux parce que nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse maternelle meneuse, une jeunesse qui va faire. Je pense que ça peut faire quelque chose dans notre pays, au-delà de l'économie de Salahawa. Il faut mettre en valeur aussi l'homme parce que je vois ici. C'est ça, IWZ, la politique gouvernementale de la nation sur l'emploi des jeunes, la politique nationale, il y a jeunesse, il faut aller au propos, il y a malade. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, mais je suis très content. Très bien, Yakuza Kisangani, merci beaucoup, na Maman Pépé de Paris. Oh, c'est Pelimingi Yalobi, Kisangani, Ezali Mbokanaye, Bipaywa Pitoye. Merci beaucoup, maman. Edem TV officiel et Yeba TV, nous sommes toujours là pour vous informer, vous amener partout. Et tout ça, c'est dans le souci de vous montrer que le président de la République, Félix Tshisekedi, ne dort pas. C'est quelqu'un qui est là pour le bien-être du peuple congolais. Et en dehors de cela, nous sommes là avec la bénédiction, bien sûr. Il y a Congo Airways. Le léopard volant qui nous aide, qui nous a aidé vraiment. Il y a Kokomati à niveau Oyo Awa, Olungwa Kishasa, Kokomati Awa. Et merci beaucoup à l'excellence princesse Adèle Kayinda Mayina qui fait de tout son mieux pour que Congo Airways et Koufate et Kendeliboso pour la Kouluka pour servir toujours Bana Congo et partout où vous vous retrouvez. Ça fait peut-être longtemps Olungwa na Kisangani, mais Lelo Omoni Soso Kisangani. Et moi, c'est ma première fois. Autant à Botama, na yoka kaka Kisangani, mais le lundi à la Kisangani, na sala ma belle Kisangani, Nzambe abate la Congo et Congo eko kweyate, Congo eko longa obi kolonga, tokende kaka liboso. Nous sommes toujours là ensemble avec vous. Voilà, c'est comme on vous a dit. Nous continuons avec notre reportage et c'est le port. Nous sommes au niveau, il y a port, il y a Tchopo. Nous sommes à Kisangani, alors c'est grand port, le grand port qui fait des merveilles. Et là, c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo, notre richesse mythe.
Parmi les voix des communications, Stéphane, il faut parler de la voix fluviale. Donc, il y a la voix terrestre, il y a la voix ferroviaire, voix lacustre, mais la voix fluviale, donc le majestueux fleuve Congo. Le fleuve Congo. Hein, c'est le grand combat qui peut aussi permettre la libre circulation de biens et de personnes. Et aujourd'hui, nous avons un apport avec Kisangani, qui permettre. Donc déplacement et abattement, on va marcher pour faciliter le commerce. Mais ici, si vous voulez, on va pas dire un message à Fleu, par moment, parce que Fleu, c'est là qu'à Babaza, un message qui nous a bien été. Ça, c'est le rang. Et puis les deux, il faudra aussi doter donc société... déjà Onatra, oui, SCPT. Voilà, Onatra. Nous sommes toujours dans le ministère de portefeuille. Voilà, il faut doter un mot quand même dans la flotte. On sait très bien que l'État congolais a une dette, il y a SCPT, où il y a Fouta, où il y a l'État congolais. Alors, divisé en mots par deux, on a appelé ça SCPT, on va relancer cette entreprise. Regardez aujourd'hui, de grands barges. Alors, tous les gens ont mis tout cas, les colons et les bananes. Donc, c'est le mois après, comme à la Kinshasa. Et parfois, on nous dit que ça prend 20 jours, 25 jours pour arriver à Kinshasa. Mais tout cas, parfois, c'est à moins cher, $600, $700, le véhicule arrive à Kinshasa. Mais nous souhaiterons, bien sûr, essayer, il y a pour tout un tas de 3 personnes. Toi, il y a une activité à essayer de faire des choses. Tracasser les gens, des choses. Et Nini Balouka. Avant, il faut vous rappeler quand même que. Conditions et voyage sera très difficile. Ouais. Les voyages, sera très difficile. Bonjour. Bonjour. On peut vous interviewer? Non. Pas de problème, il y a une mauvaise condition. Le bateau voyage dans une mauvaise condition. Et d'ailleurs, j'ai béni quelques pays. Il va déjà. Pour voyager. Uganda, non. Il y a la possibilité à la ville. Merci Dani Mouya, Mama Yuyu Yombo, en direct des États-Unis, Rosie Chibango, famille Chibango. Tangwe koki, tangwe koki ngo, tangwe koki ye, tango yango ye koki oho, ye koki ye mago. Hélène Tchongo. Mama Bibish Okita, na Londres. Chers compatriotes, c'est comme nous venons de le faire. Vous avez compris qu'on vient de demander l'autorisation na Ndekomoko au niveau de l'administration. Alors, chers compatriotes, le grand bâtiment de l'université de Kisangani, longtemps parlé de ça. Université de Kisangani, université de Lubumbashi, université de Kinshasa, et aujourd'hui nous sommes à l'université de Kisangani. L'université de Kisangani est allée moko yaba université ya munene en République démocratique du Congo et forma batu ebele et kenda sango université na ba bâtiment ya kitoko toali komona yango ya minene efficace. Alors certes il y a aussi des soucis na kati ya université de Kisangani, mais on n'est pas là pour na trouver des soucis na université de Kisangani, mais du moins nous sommes là et nous venons de vous présenter l'université de Kisangani, Miteranaya. Je suis là. Donc, on fait juste un petit tour. On commence par ici. On peut commencer par là. Ah ouais. Un petit tour dans l'enceinte, il y a l'université. C'est un beau cadre. Un beau cadre là. C'est un magnifique. Oui. Les gens disent à Kitoko.
Bien là, aéré, Banzete à Kitoko. Hein? On trouve là. Banzete à Kitoko, tu es trop loin. Banzete à Kitoko. Mais si tu as étudié, tu peux vendre pendant la journée. Merci, Palmira. Oui. Merci, Dani Mouya. Mouya, nous avons depuis qu'il est là. Oui, parfois, Mouya, nous avons confronté à la maman très difficile. Lui-même n'arrive pas à résoudre. Sauf que, vous savez, le secteur et enseignement supérieur, oui. Le secteur et enseignement universitaire, voilà. Du moins, il y a un bus qui est en panne. Ils ont presque abandonné. Le bus qui est abandonné, c'est l'unique bémol au Tomonipé. Ah ouais. L'université bus est abandonné. Quand même, tu écoutes la maille. Ici, il y a un la maille. Il m'arrête chaque jour. Bonjour. Merci, papa, Patrick. En direct du Canada. Tu as un ah, mais dis-moi, Maï Bimara quand même. Maï Bimara sans problème. Ok, merci beaucoup. Ah ouais, bêtise, il y a un mouboulou makasi. Bazara mouboulou te. Simple. Merci, merci. Voilà, vous avez compris, on prend. Merci. Alors, merci pareillement. Alors, voilà, nous sommes à Kisangani. Et précisément, à l'université de Kisangani. Inikis. Ouais. Puisque il est 6h déjà 30. 5h qu'on est debout. De faire quelque chose et surtout bazomona image il y a lumière makasi on a commencé tôt et voilà oh il y a bis c'est que ma bien mais oh quand même ça va bien donc c'est un peu ça. Nous continuons notre périple puisque là on doit aller ailleurs et vous montrer encore. Merci. Zangui doit beaucoup faire de réformes, hein. Oui, vraiment. Il ne va pas prendre une décision. Kaka, bon. C'est question d'associer les experts et les. Eric, tu sois. Tangwango yango yo ekoki Edem TV ngo to sabone nango to landa kango Papa Stéphane Balamwange oyeye Isama Dimukendi Mama Pepe de Paris Esengeli to landa kango Esengeli to tala kango Colonio Soma, pas interno, Nabiso. IW, les bonnets. TV officiel. Pasteur Gili. Papa Stéphane, Balamwange. Oh yeye. Politique et sociale, Yamboka. Économie, Yamboka, Nabiso. Pas vérité, Yamboka, Nabiso. Edem officiel. Merci Palmira Kabea. Merci Dani Mouya. Mama Yuyu Yombo en direct des États-Unis. Rosie Chibango, famille Chibango. Tangwe koki. Tangwe koki ngo. Tangwe koki yeye. Tango yango yue koki. Yue koki yo. Hélène Tchongo. Mama Bibish Okita.
na Londres. Sengeli tolanda kutu na mo. Tamara Makuta. Edeme TV officiel. Nathalie Okita. Vous abonnez massivement. Merci Papa Patrick Okita. Tolanda Kango. En direct de Canada. Tala Kango. Boyeme Yango. Ezana makambo ya kitoko. Koko Kasungo. Utanga na botama na senamo. Na mona te chene ya boyo. Jojo Akasa. Edeme TV officiel. Tangwe Kokingo. Papa Jacques Ochudi. Papa Stéphane. Bala Mwange. Melesi Mingyo. Matondi Mingyo. Bindana. Usana. Bindana. Oyaye. Totala Kango. Sephora Lando. Famille Okita. Bindana. Usana. Totala Kango. Edem TV. Bindana, Usana, oh, Ngeli Tolanda, Kutunamo, Edeme TV, officiel, Eyeli Biso Makambu Ebele, Ememeli Biso Masolo Ebele, Tangwe Koki, oh, yo, yo, Tangwango Yango, yo, e Koki. Edem TV ngo to sabone nango to landa kango Papa Stéphane Bala Mwange oye oh, yeah, ye yeah. Isama Diemukendi Mama Pepe de Paris Esengeli to landa kango Esengeli to tala kango Mikolo nyoso Interno Nabiso IW Lebonne MTV officiel Pasteur Gili Papa Stéphane Bala Mwange Oh yeah yeah hey. Politique et sociale Yamboka Économie Yamboka Nabiso Ma vérité Yamboka Nabiso Edem officiel hey, yeah. Merci Palmira hey, Kabea yeah. Merci Dani Mouya, Mama Yuyu Yombo, en direct des États-Unis. Rosie Chibango, famille Chibango. Tangwe Koki. Mesdames et messieurs, car on est à la découverte de la province de Tchopo, nous avons à Kisangani. Au-delà, il y a accompagnement, il y a depuis il y a le tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Oui, Kolongwa, ah, Ezokende, donc Lubumbashi, Kalamingite, Nganandeko Stéphane, Nagims, Tozozoa, Pepoto, Kitabongo, na ville à Lubumbashi. Mais Ndeko Stéphane, tout le Belalikambuya, développement à la base. Mokonzambo, Kalobi, programme naye à 145 territoires, et qu'on ait résoudre Makambouébele. Mais à niveau province, je me pose la question, ou pose la question à Koyeba, est-ce qu'il faut développement à la province et dépendre qu'un gouvernement central? Tout dépendre car on a vision président de la République. Est-ce que le gouverneur basé dans la vision T? Est-ce qu'on n'a pas de gouverneur? Est-ce qu'on n'a pas de gouverneur bon manager? Parce allô, que vous allez côté dans ma province, mais impression haute aux Anango est que na niveau de ma province, misa les allez kosa les maté banamboka. Na niveau de ma province, tozo se rendre compte que finalement, il n'y a pas de visionnaire à la tête des provinces pour imprimer leur vision aussi managériale. Ce qui est au tambour dans ma province, c'est comment on a que l'infrastructure est alité. Est-ce qu'il faut toujours que le gouvernement central atteigne dans non. Il faudra avoir des gouverneurs où il déjà bazoyé babongo ba défi il y a donc il y a ma province na bango ba transformer en objectif et puis ba travailler en termes de réalisation et objectif voilà toi awana Kisangani qu'est-ce qui se dit ici il y a pas d'emploi pour des gens musmisa les alités il y a mis ba les infrastructures les alités nzela les alités maiza nango en permanence mais électricité aux alités moteur il y a développement les alités Ndeko Stéphane,
province autolobanine. Est-ce que Fatshi paye pas qu'on m'appelle les gouverneur de la province? C'est très déplorable. Comme de la République. C'est déplorable en République démocratique du Congo. Pourquoi vous savez, mythe, hein? Nous sommes dans un régime autobénard, il y a décentralisation. Et dans décentralisation, chaque province a l'autonomie de gestion, l'autonomie financière, une personnalité juridique. Elle peut prendre aussi des initiatives au niveau de la base. En dehors, il y a un centre-ville, dans le niveau, il y a périphérie, la province, ça laisse à désirer. Il y a que nous avons tous nos gouverneurs, nous avons une initiative. Dans nos provinces, il y a des gouvernements provinciaux, il y a des assemblées provinciales, les députés provinciaux font concrètement quoi? Voilà. Donc c'est déplorable, puisque à un certain temps, on assiste uniquement à la motion contre le gouverneur, motion contre le gouverneur, le président d'assemblée provinciale. Motion contre le président de l'assemblée provinciale. Mais au finish, dans nos provinces, la même vie misérable, elles ont continué toujours caca. C'est par exemple ici, Natchop. Toutes les grandes entreprises et Kanga. Et Koufa. L'entreprise, il y a Makambo, il y a Sotiski, il y a Sotiski. L'entreprise, il y a Nini, il y a Inubra et Koufa. Sophie et Koufa. Et ce gérer, c'est Koufa. Le jeune ne travaille pas. Donc, le jeune, au salami salaté, tu vas voir les gens qui ont des et comme il faut que tu aies des gens qui ont des gens, moi, Bangoulou, moi, Bantaba, moi, Soso et consorts. Et ça laisse à désirer, on ne peut pas accepter de telles choses pareilles dans la province, dans la Bissau. Nous demandons vraiment à le gouverneur de mettre en place la politique au Longobani. Vous savez, lorsqu'on est gouverneur, on doit chercher à savoir province Nayo et dans la richesse Nine. Voilà. Et le Kualiboso. Si tu trouves que tu es incompétent, cherche à réunir la élite de la province dans tous les secteurs, dans tous les domaines possibles. Chercher à faire l'étude de cas, il y a ressources, il y a ma belle, la binou, la province. C'est pas dans cette province. On peut développer, par exemple, il y a un péage. Ici, on peut développer un péage, puisqu'on vient de nous montrer, nous avons un Bounia, un Ituri, un Goma. C'est une grande route. Il y a un Goma, Stéphane. L'activité, on se soit en Ouganda. On peut développer aussi l'activité. Voilà. Au contraire, c'est l'Ouganda qui bénéficie beaucoup plus de l'activité. Parce qu'il y a un marché intérieur et la RDC a exploité. Oui, RDC a exploité en Ouganda. Raison pour laquelle, de Stéphane, tu as beta, Mbela, tu as beta, c'était les Kamblisol, les Kolo, il y a réussite, il y a réalisation, il y a projet à 145 territoires, il y a président de la République. Parce qu'il faut savoir que toutes les provinces n'ont pas le même problème. Bien sûr. Ils ont la province, Moussous Bazo, Sengaka, la sécurité. Oui. Kimia Ezala. Ils ont la province, Moussous Bazo, Sengaka, Banzela. Oui. Ils ont la province, Moussous Bazo, Sengaka, électricité. Ils ont la province, Moussous Bazo, Sengaka, moyens, il y a des transports pour évacuer, les produits agricoles, tout ça. Et Sengeli, déjà, la projet, on a locaux, les projets, parce que je me dis, projet 145 territoires, on a ceux qui sont sérieux, tu épargnes détournement. Épargner mauvaise foi politique. Je pense que c'est un programme que la RDC n'a jamais connu en termes de programme politique. Ça peut nous aider. Ça peut booster le développement à la base. Effectivement, tu as dit la vérité, chaque province a un problème là-haut. Ouais. Prenons par exemple la province du Kasaï central. La province du Kasaï central, ils ont un banzelate ou écouté pour désenclaver en gros. Or, province du Kasaï central, ils ont un zélamoko tobengi kalambambouji. Une route qui prend Kananga vers frontière et à Angola. Et ça va passer par rivière Kasaï. Ça nécessite juste pour asphalter une affaire de 260 km. Et puis on va désenclaver la ville et la ville aura et Babiloko Ebélé. La province encore du Kasaï a un sérieux problème. Il y avait aussi Inibra de Soussou, où est Kangi na Tchopo. Inibra, c'est la capelle de Soussou na Kananga. Et Kanga. Pourquoi? Parce qu'on utilisait plus le carburant que le courant. Or, chute Katende, Ezawana. Heureusement pour le chef, Nayoki Sangoua, chute Katende, matériel, il a bilo comme Soussou na Mbongo, Ezobanda déjà. Tentative que tu as oublié, matériel, on est à la qui, Mikolo. Tentative, on est à la qui, et nous allons faire encore une descente aussi, sur la chute Katende, pour montrer aux gens les Congo profonds. Nous venons de voir le Congo profond. Donc centre-ville, et le reste, périphérie, toujours avec des maisons que vous voyez. Cette maison par exemple, sur le plan sécuritaire, elle ne représente absolument rien. Voilà. Sur le plan sécuritaire, elle ne représente absolument rien. Et ce film où il y a un Kofi. Voilà. Voilà ma carte. C'est comme si on a remonté le temps. C'est comme si on a replongé dans le temps. Mesdames et messieurs,
au-delà y a un discours, y a pamba vous allez consacrer na Kinshasa, chers politiciens. Au-delà du discours, y a pamba vous allez consacrer na Kinshasa, y a qu'on réclame à l'élection, y a qu'on réclame à pouvoir. Voilà que le peuple, le Congo profond a besoin, y a discours les sous-soutés. Le Congo profond a besoin, y a misala. Nenge Excellence Adel Kayinda Alobaka. Investissons le temps que nous avons dans le travail. Utilisons la rationalisation du temps. Utilisons la théorie. Dans la théorie, il y a effort additionnel. Le moment est au travail. Ils ont un discours. Tout le monde a failli le lancer là. Tout le monde a failli le lancer. Non, nous devons travailler. Et bien, le ministre a bénéficié de la signature de mon conseiller en termes d'ordonnance. Nommé le ministre. Transformons ces pays par le travail. C'est très important. Tout ça, si on attend, on a des discours rebelles. Au moment où on est à Kinshasa, dans la commune UP, dans la villa, sachez que dans le Congo profond, les gens souffrent. Et nous devons soutenir les chefs de l'État. La vision qu'il a eue pour le projet à 145 territoires, soutenons cela. Et pour nous, tout ça, dans la province, nous avons une province martyre. Armée rwandaise ou ougandaise, Bunda dans la province Oyo pour accueillir la richesse. Encore une fois de plus, l'initiative, l'engagement que les chefs de l'État prend pour la sécurisation de nos richesses, tout soutenir, parce que le développement aussi, c'est la sécurisation de nos richesses, tout s'approprier, tout transformer, pour payer sa bise au kit, payer sa bise au moyen, il y a développement, il y a des banzela, écoles, des hôpitaux, ça va permettre à ce que le Congo évolue. Mesdames et messieurs, nous continuons notre périple. Merci beaucoup. Merci na Mwana Mboka Mitiranaya. Nous sommes là. Comme d'habitude, nous ne cesserons jamais de vous informer, de nous sacrifier, bien sûr, pour le bien-être du Congo. Le président de la République doit réussir, puisque sa réussite est Zanda Koyaboye et Tungama et Kumanda Kwamala. Voilà, tout le monde est tombé. Oui, pas la bille, Foufou ici, Béli. Bandego, bonjour. Foufou et Béli, c'est ça, tout ça, journaliste. Tout ça, les cas. Tout ça, moi, émission, il y a un de tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le C'est bon. Salut, Malamou, pour le monde, tout le monde, comme un casse. Talaka kamisala nyonso eza faiti musala mokote tanenge to fandi kozelaka kaka tokende kosalaka mamba misala ba parajuru okataka ba mangalala nini ba pesio tangu susu 1000 francs bo kotoyo responsabilité otoza nango eleki 1000 francs o tandis ke tangu mutu azana mwa musala azozo akataka mwa salaire naye par mois ekubanda kosunga bisa to sufi bino bo gagner biso to sufika ka bon dikambote tanda yebi yo zali mwana mboka we bisi mokonza mboka nini wazali kolanda pe MTV mokonza mboka kuyoka yo le message no pesi vraiment mokonza mboka ayokela biso ba population mawa biso ba population wa tozo sufi ayokela biso mawa ata ela biso makamba misala ata ela biso le makamba misala to sufi makasi. Voilà, mesdames et messieurs, ici Koyo Kandeko Stéphane, de Kindeko. C'est toujours la même chose. La même formation, tu reçois déjà de partout. Oui. Ici, ceux qui ont la gêne, les athées. Toutes les entreprises, les bandes qui ont la bateau, la misala, et Koufa déjà. On ne sait pas. Quitte aux responsables, il y a un mot cannabis. Je retourne à monsieur le gouverneur. Il y a province où il y a Tchopo à expliquer à Ibisabiso c'est quoi sa vision pour cette province. Puisqu'il n'y a rien. Rien. Courant et yaka na cité. Et yaka le week-end. Na week-end. Samedi où il y a des sources. Na centre de courant ici que Zalak. Voilà, mesdames et messieurs, tozo zonganabiso, tozo kende mblom na lombango, kozo pepo, to kende bongo Lubumbashi, tozo accompagné depuis. Voilà. Le héros national Patrice Emery Lumumba. Ouais. Je rappelle que tozana Gims, héros dans l'ombre, Gims, Gims. On a été mais il est en train de faire un grand travail depuis 5 heures qu'il est là. Oui. Donc merci Gims pour le grand travail. Merci. Merci aussi à notre chauffeur, César. Donc Bandalo Biazo conduire Bisso. Ouais. Vraiment hospitalité légendaire et à Baboyomé. Voilà. Et ça, il y a qu'on démontré. Bah, il y a Bisso qui toko. Et toujours filé maintenant vers l'aéroport, direction Yangwana Bozomona. Toujours qu'il y a l'aéroport pour qu'on soit avion de Lubumbashi. Merci beaucoup. Merci.
Jojo Akasa. TV officiel. Merci beaucoup. Bon moni appareil. Oyoto le belaka tongo me dit pourquoi ya Congo Airways appareil ou ils allaient nommer bien sûr Patrice Emery Lumumba. Pourquoi tu ya qui na Kisangani? Na Kisangani tu ya qui pona kola kisa bana ya Kisangani bana ya Jopo. Patrice Emery Lumumba, pour la qui ça oyo eteni ya nzoto na yoto bengilinu. Alors, c'est cet appareil. Voilà comment na ya Congo Airways et que na ki kozwa eteni wana na Belgique et outi na ngona Belgique et na Kinshasa, Kinshasa et Kisangani, Kisangani a boye to liko kenesikoyo na Lubumbashi partout là pour na kosala obeka ka musala ya pula ki sabino. Congo Airways, une grande entreprise en République démocratique du Congo, mise en place avec les contribuables au service kaka ya l'État. Congo Airways est une entreprise qui a biso ya mboka, tala musala et sali. Donc Congo Airways a joué un rôle très important, nécessité que la Congo Airways dans notre pays et zali makasi et zali mutuya. Biso banso bakonzi to bunda pour la Congo Airways. Congo Airways azana bosenga ya ba pareil. Ça ne demande pas trop. Congo Airways n'est pas en faillite. Congo Airways fonctionne normalement. Congo Airways azana double mission, mission commerciale et mission sociale. Mitiranaya. Ndeko Stéphane, tu commis vraiment na souka ya périple na biso awa na province ya Tchopo, plus précisément na Kisangani. Place où a pu toujours accompagner depuis le premier ministre Patrice Emery Lumumba après avoir rendu hommage hein, à depuis wana bande ko Kisangani ba kopé ça adieu bien sûr d'accord pour que Ndebongo Lubumbashi avant que il regagne Kinshasa pour l'inhumation 61 ans après Patrice Emery Lumumba ezalaki un corps sans raison funèbre et bien sûr, la montée, sans valeur. Donc la République a récupéré les corps de son tout premier ministre. Alors je vais placer un mot na Likambuya Congo Airways. Avion Bozali Komona, mesdames et messieurs, est un symbole, il y a indépendance, est un symbole, il y a souveraineté, est un symbole, il y a fierté aussi. Il y a République démocratique du Congo. On n'a pas loué. Avion, c'est cet avion qui est allé récupérer, rechercher le reste du corps et à Patrice Emery Lumumba. C'est pour vous dire que Congo Airways a la capacité d'effectuer un vol international. Parce que c'est cet avion qui est allé à Bruxelles et qui est allé à Bruxelles. Des vols internationaux, bien sûr. Le grand problème que nous avons, nous devons comprendre, nous Congolais, que finalement, dans le marché aérien, il y a République démocratique du Congo, ils sont encore vierges. Donc, comme on a par exemple Kenya Airways, Zaliawa, Rwanda Air, Zalakiawa, CAA, Zaliawa, beaucoup de compagnies, Bazali, Kose RT, Bayabon, qui ont récupéré le marché congolais. Mais déjà avant que par le marché, on a Congolais. Tous là na ba flotte ou éco permettre tous à la interconnexion et à 26 provinces grands pays au cœur de l'Afrique la République démocratique du Congo ils ont nécessité à ce que ba province soit connectée et na ba voyage to utiliser kaka véhicule té to utiliser kaka train té to utiliser kaka bateau té mais aussi to utiliser avion mais il nous faut vraiment ba flotte na année 75 Air Zaïre ezalaki na 25 flottes. Il y a Sika, il y a bien. On peut clôturer. Mais alors aujourd'hui, oui. Vous vous rendez compte que Ezali Soussouté et nous félicitons la gestion actuelle à Congo Airways. Congo Airways, bien sûr. Bazali Kosala a un grand travail bien sûr, pour permettre que dans les jours à venir, Congo Airways est comme appelé compagnie moins compétitive. Ça ne sert à rien, il y a Kolelalela Kenan, Congo Airways, Ezabo. Non. Au-delà, il y a un problème, il y a gestion quotidienne. Tout y est, bah, que, en tout cas, équipe de gestion au bazar sur place et ça va travailler très dur sans problème pour redorer l'image à Congo Airways et d'ailleurs boyoka qui n'a pas média que Congo Airways et Zali compagnie moko en faillite et ça le coûta et ça en faillite seulement c'est un qui volonté politique la capacité managériale il y a un autre Zali comme on a dit Zali qui a imprimé en le lot avec le DG Kasongo. Tu fais un grand travail. C'est vrai, qui a un CV très bombé, voilà. Le 2G Kasongo. Akuta qui va défier et belé, Aza qu'on relève lentement mais sûrement. Mais Aza a besoin de soutien. Aza a besoin d'accompagnement et de gouvernement. Ouais. Et avec Excellence Adel Kayinda,
En tout cas, il n'y a pas de problème. Accompagnement, ils allaient 100%. Sans problème. Elle tient à ce que compagnie s'est relevée conformément à la volonté à chef de l'État. Mais seulement, je me rends compte que il faudra que ce même accompagnement au Congo Airways, ils ont bénéficié dans le ministère à portefeuille. Il faut augmenter la mission de transport et emboîter les pas. Et ça selon les informations de notre possession, oui. C'est le ministre même de technique et transport voilà. Qui semble bloquer cette entreprise. Tuer même cette entreprise. Ouais. Ce n'est pas normal. C'est méchant. Puisque aujourd'hui, on n'a pas loué. On n'a pas cherché à Koulukabilo Kabatumusu. C'est avec l'argent de l'État. L'État a sali Moussala, il y a l'État congolais pour le Congolais. Nous sommes très heureux. Il y a Moussala Oyo Congo Héroïse Salim. Et nous félicitons encore une fois de plus la ministre des Portefeuilles, ministre d'État, princesse Adel Kaïnda, qui se bat matin, midi, soir pour redresser Congo Héroïse. Suivez d'abord à un atelier qui a été organisé par. Adèle Kaïnda princesse, on a kubungi sa Congo Airways, comment faire, on a kutombo la yango et kendelikolo mini koleka. Gims, on suit l'atelier et on se retrouve à Lubumbashi. Et avant de clôturer, je le dirai, bozomo na kaka Congo Airways, na simanango, il y a des Congolais et des Congolais, des familles des Congolais qui se retrouvent. Plus de 700 personnes. Bazo se retrouver en termes et emploi. Bien sûr. Baza bosa la musala, bazo futama, ça permet à ce que famille et survivre. Alors, une autorité de surcroît qui annonce ou qui fait des déclarations incendiaires pour amener Congo Airways na faillite, c'est pas sérieux. On ne peut pas accepter, c'est pas ce n'est pas sérieux. C'est pas la vision du chef de l'État. Et Lumumba s'est battu pour la liberté. Voilà. Merci et que Dieu bénisse la RDC. Je ne saurais pas finir cette émission sans dire merci à Monsieur Honoré. Monsieur Honoré, le général, chargé à sécurité, voilà. Na niveau, il y a aéroport, Oyoyanani, il y a Congo Airways. Il nous a rendu un bon service. Il était avec nous la nuit, le matin, et même au pied de l'avion, il a fait toujours son travail. Monsieur Honoré, merci. Merci, Monsieur Honoré. Ouais. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Et un grand plaisir parce que la Kissi Bissot vraiment hospitalité. Merci. Pour aider Bissot, accompagner Bissot et médias, donc EDM TV et Salim Moussala calmement, sans tracasserie, sans dérangement. Merci. Grâce à Monsieur Honoré, à qui nous disons merci. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour la série Kisangani. Maintenant, cap vers Lubumbashi. Messieurs, dames, Tangwe Koki.